compliqué hein. la semaine hein, Paris nous a fait régaler hier mais là c'est triste c'est triste mais il y a quand même des pénalties qu'on peut être sifflé eux aussi salut à tous et football de famille c'est Thomas défaite de Lyon 2 buts à 1 avec un but de Rafa euh, Silva et Pizzi sur un cadeau noël de euh, du Marsupilami Lopez franchement il a relancé comme ça c'était classique hein. voilà c'est vraiment un attaquant qui a euh, une bourse pareille je pense qu'il la met au fond Peut-être sauf Mitroglou à voir, et un but de Métis de Paille, franchement, où Lyon a eu ces deux périodes. Et les Lillois, qui ont été très bons, 27 tirs pour Lille, 6 tirs cadrés, hein, franchement, donc ils ont un petit peu vendangé de partout, et qui ont égalisé très justement à la fin, les amis. On revient directement sur donc, Lyon, en deuxième partie de vidéo, et là, c'est euh, Lille, les amis. Avec. Pour moi, ce penalty, hein, euh, je comprends pas. En première mi-temps, il aurait dû avoir penalty tous les jours. On parlait d'un penalty aussi pour Lyon. Mais là, la main. Alors, soi disant, l'arbitre aurait monté. Oui, elle aurait dit oui. Il y a la main un peu plus haut. La main est un peu plus haut, donc elle n'est pas, elle est pas, elle, est pas, elle est pas décollée du corps. Mais enfin, franchement, il y a main. Le mec il contrôle comme ça. Ok, on peut pas couper les bras, mais je croyais que moi, il y avait main euh, tout le temps en fait. Euh, voilà, l'intention ou pas, on s'en quand il y a main, il y a main. Faut me dire ce qu'on pense les règles du, de, 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 de foot. J'étais du rugby, mais de foot. Là, il y a pénalty. Enfin, pour moi, il y a pénalty, en tout cas. Donc, est-ce que les clubs français sont floués ou est-ce qu'ils sont bidons Dans les commentaires, de ce que vous en pensez. En tout cas, là, il y aura dû avoir pénalty. peut-être pas un zéro évidemment, et pas transformé en tout cas pour les euh, lieux, pour les Lillois. Avec euh, Yazidji qui a été très bon, il a pris la mesure un petit peu du jeu. Il a été un petit peu euh Comment dire, mode tracteur un peu comme son équipe. Parce que Valence euh, a eu la possession du ballon euh, au début. Lille après euh, a commencé à, à l'avoir en tout cas. 55-45 en gros. Les Valencians n'ont pas eu beaucoup de frappe Mais ils ont été chirurgicales avec cette magnifique euh, frappe de Cherichef Avec une petite erreur dans la défense quand même. La défense à trois comme quoi c'est pas non plus sérieux. En tout cas les DJ étaient très bon Une frappe sur la barre aussi. Je vous dis à la mi-temps Lille aurait dû euh, mener. Après il y a eu Iconé qui est rentré à la fin. Alors on a dit euh, il connaît euh, un petit peu en dedans en ce moment, depuis qu'il est sélectionné en équipe de France, et puis là il t'a décoché une frappe. Mais c'est mérité. Lille franchement verra au classement, se sauve un petit peu les miches par rapport au moins à l'Europa League. Il y avait une composition d'équipe qui était bien pensée. Enfin c'est bien pensé, c'est un petit peu la mode euh, du côté euh, français en ce moment, avec euh, trois derrière, Giallo, Fonte Gabriel, un très très grand milieu de terrain, André Soumaré, vraiment euh, au four au moulin, avec des belles frappes d'André. Euh, Très 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 bon, franchement. Je pense que Razo Sanchez, on verra pas d'ici tôt en tout cas. Les latéraux étaient bons. Franchement, une très très belle équipe. Osimen un peu esselé devant en tout cas. Les Valenciens avaient une équipe de ouf avec un Camero un petit peu en dedans. Et quand tu vois du chéri chef, du par euh, Pardon du, du coquelin, c'est quand même du lourd. Mokter Dakabi qui avait pris un carton rouge évidemment, les amis. Donc, on va dire que les Lillois. Aurait dû avoir un pénalty en première mi-temps et ils ont été très justement euh, récompensés à la fin par Icones, ce qu'ils ont poussé de ouf. Vous dit 27 frappes, c'est juste incroyable, franchement. Mais les Lillois apprennent, on va dire. Ils apprennent un petit peu euh, la Champions League. C'est un petit peu décevant pour eux d'avoir qu'un point au classement, mais je trouve qu'ils euh, sont en train de grandir petit à petit. C'était un petit peu lent, il a dit très bon encore une fois, mais je trouve que il est bon, mais il euh, focalise le jeu, il l'endort un petit peu. En tout cas. Lille à revoir, il faudra faire un gros résultat à Valence pour croire encore euh, au... Euh, bah, croire encore évidemment à la qualification en, Europe, en Europa League, ça c'est clair. Mais la Champions League, peut-être, on ne sait pas en tout cas. Avec les Lyonnais, une, un 4-4-2, donc out, euh, Renadelaïde, out Thiago Mendes, hein, qui est évidemment bon dans un 4-4-2 à voir. Donc Dubois Marcelo de Neyer, connaît Terrier, qui a été très très bon, Depay, Dembélé, Cornet. Donc les Lyonnais qui ont été complètement bouffés en première période. Alors, ils ont pris un but dès le début en tout cas. En même temps, c'est la malédiction du stade de la Lousse, mais bon, Lyon qui était vraiment pas dedans quoi. Alors, c'est clair qu'ils changent de système de jeu, il y a Cornet qui est titulaire à chaque fois comme Tarrier, tu vois. Donc il n'y a pas de Traoré en même temps, c'était un petit peu euh, voilà, un petit peu juste, mais les Lyonnais étaient complètement passés à côté du coup. Le 1-0 était évidemment pas mérité. Et puis de Paille sur une deuxième période où Garcia a dû faire mais alors là, sonner les cloches de ouf et taper sur les murs, eh ben, ils ont été très très bons. Euh, alors, il y a eu un doute aussi sur euh, deux faits de jeu, avec donc la variole où Dembélé était en jeu mais pas de pas, et, du coup, le but a été euh, validé. Et puis, justement, Dembélé qui se fait sécher par Ruben Diaz dans son déparation, même pas de VAR. Alors, soit la VAR était en panne, du coup, parce qu'il y a eu euh, l'appel avant, tu vois, où il s'est dit, oh, non, pas, pas deux fois la VAR, quand même. Mais, en tout cas, l'arbitre n'a même pas été voir. Du coup, je pense qu'il aurait dû avoir pénalty aussi pour, pour Lyon. En tout cas, ça aurait au moins été Voir les images, l'arbitre quoi. Franchement. Mais les arbitres, maintenant, ils décident. Encore une fois, j'explique hein, que les arbitres, s'ils si se dédouanent de leur première décision, ils partent des, des points. Donc, un petit, évidemment, c'est euh, bizarre. Donc tu te dis, le, Lyon tient le match nul. Voilà, ils ont la position de balle, ils tiennent le match nul. Il n'y a pas non plus de, trop trop de frappes des deux côtés. C'est pas non plus un match de ouf. C'est très très physique. Et puis, il y a le cadeau de l'ami euh, Lopez. Qui est le meilleur lyonnais depuis longtemps. C'est clair, c'est un, un, un très très bon gardien, voire même le meilleur gardien français, et puis là il te fait une relance à la main pourri. et puis il te dit, bah il arrive, et que voulez-vous hein. quand un attaquant comme ça, même n'importe quel attaquant, encore une fois, sauf certains qui sont vraiment nuls, et ben bah, voilà, il arrive et puis il trompe et puis deux. Hein. C'est une boulesse Lyon méritait le nul aussi. Les Français auraient pu euh, donc euh, s'en tirer avec deux matchs nuls. Et il s'en tire avec un nul et une défaite. Donc c'est un petit peu la Chouma les amis. Le classement avec donc euh, Lyon qui n'est qui est pas éliminé. Hein, Ce n'est pas non plus dramatique. Le classement qui est très très serré. Like qui a été battre les Zéniths de Buza à 19h. Lyon donc euh, qui est troisième. Donc encore une fois. Il y a double frontation contre Benfica, l'eau Benfica les amis va être primordial, mais c'est pas encore mort pour Lyon. Pour les Lillois c'est un petit peu plus compliqué de bon surtout que l'Ajax a perdu contre Chelsea avec un but de 8. Valence donc euh, se relance euh, avec donc, 4 points et Lille a 1 point. Encore une fois si Lille bat Valence, ils peuvent accrocher la 3 place et pourquoi pas remonter après avec euh, un match euh, euh, contre l'Ajax et Chelsea, les retours mais bon c'est compliqué les amis mine de rien. Une soirée un peu tristoune, mine de rien, avec donc les résultats avec 2-1 pour Barcelone contre Prague, Messi et Soares Inter, Borussia Dortmund, 2 buts à 0. Borussia est en crise total. On part de Mourinho, Borussia. Napoli, 3 buts à 2 dans un match Netflix de ouf avec Haaland, Driss Mertens pour Napoli avec l'ami Insigné. Liverpool, 4 buts à 1 contre Genk avec donc Mohamed Salah. Il y a le double B chamberlain et il y a du Sadio Mané, évidemment. Dans les commentaires, mettez-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ce qui s'est passé ce soir. Est-ce que les clubs français sont nuls ou est-ce que l'arbitrage est-ce euh, que les clubs français ne sont pas arbitrés pareil Deux questions. C'est simple. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Tats, le petit like pour récompenser les travail sur la chaîne. Et on se retrouve bah, plus tard. Salut, 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 et salut C'est dur mais je sais pas. Ça me taraude un petit peu.